Les Américains Liberator et P-38 attaquent une base japonaise située près de Bougainville dans les îles Salomon. Les attaques aériennes, en protégeant les débarquements dans la baie de l'impératrice Augusta et aux îles Gilbert, ont permis de priver les Japonais d'autres bases vitales. Des tonnes d'approvisionnement et des carburants sont amenés dans les nouveaux aérodromes américains, situés à 300 km seulement des bases ennemies. Touché, ce dépôt d'essence est la proie des flammes. Mais le travail continue. En quelques heures, les pionniers de la marine auront remis les aérodromes en état. Les avions américains pourront y décoller pour aller pilonner les nouvelles bases japonaises dans le sud du Pacifique. Le Canada construit des locomotives qui sont parmi les plus puissantes au monde. L'Inde a besoin d'énormes machines comme celle-ci pour transporter le matériel allié jusqu'au front de Birmanie. Ces locomotives font partie de la première série construite spécialement au Canada en tenant compte de l'écartement des rails aux Indes. Trop larges pour circuler sur les voies canadiennes, les locomotives sont démontées et emballées pour être expédiées outre-mer. Les chaudières sont essayées. Les ouvriers canadiens veillent à ce que les locomotives soient parfaitement au point pour qu'elles puissent être mises en service dès leur arrivée aux Indes. Grâce à la production en série, les ateliers canadiens sortent une locomotive par jour. Et voici la première de la série, prête à l'heure prévue. Le navire Acadia arrive dans un port de l'Atlantique. C'est le premier navire hôpital américain qui soit de retour d'Afrique et d'Italie. Clairement marqué d'une croix rouge, symbole de miséricorde, l'Acadia ne ramène que les blessés qui avaient besoin de soins en route. Plusieurs centaines de blessés américains sont à bord. Au cours des débarquements en Italie, l'Acadia fit la navette entre la côte africaine et la péninsule italienne pour ramener à l'arrière les blessés de Salerne et de Naples. Des équipes de docteurs et d'infirmiers munis de brancards attendent que le navire ait jeté l'ancre. Retour du front. Chaque soldat est dirigé vers un hôpital du gouvernement situé aussi près que possible de chez lui. Ces infirmières de l'armée ont fait leur tâche au front et sont fiers d'avoir contribué à la cause des Nations Unies. Une des infirmières est elle-même transportée à terre. Ces soldats ont fait leur devoir et sont heureux d'être de retour. Les soldats et marins américains qui sont stationnés en Australie ont organisé à Sydney un événement sportif qui est classique en Amérique. Un match de football entre l'équipe de l'armée et celle de la marine. 35 000 personnes assistent au match et les Australiens applaudissent chaleureusement l'une et l'autre des deux équipes. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Vive la France!
de football style américain est plus spectaculaire que le rugby ou le football association. Et il apporte ici de la nouveauté. Les jeunes filles montrent elles aussi un vif enthousiasme. Pour les Américains qui servent la cause des Nations Unies si loin de chez eux, le match est un événement de gala. Le général Eisenhower, qui assume le commandement des forces d'invasion alliées, inspecte le front italien avec le général Clark, commandant de la 5e armée. Dans les montagnes de l'Italie méridionale, il observe le feu d'artillerie qui ouvre la route vers Cassino. Les soldats américains entrent dans la ville de Lagone. Après de rudes combats, Lagone vient d'être débarrassée des occupants allemands qui durent abandonner la ville devant l'avance alliée. Les habitants de Lagone reviennent à leur foyer pour accueillir les soldats des Nations Unies. Voici les bombes et voici les héroïques aviateurs qui pilonnent l'industrie de guerre allemande. Soldats de la 8e armée aérienne américaine, soldats de la RAF, hollandais, français, belges, tous impatients de sillonner le ciel allemand. Chaque jour, d'une vingtaine d'aérodromes en Grande-Bretagne, d'importantes formations prennent leur envol pour se rejoindre au-dessus de quelque objectif ennemi. En Angleterre, des femmes spécialistes, attachées au service d'aviation, suivent sur les cartes le développement de chaque raid allié. C'est ainsi que les Nations Unies portent la guerre en territoire ennemi. Un barrage de DCA n'empêche pas les alliés de suivre leur route. Voici leur hache. Le chargement de bombes est prêt à être lâché. Il est destiné aujourd'hui à des installations allemandes habilement camouflées dans les bois. Au cours des raids fournissent une preuve irréfutable de l'efficacité des bombardements alliés au cœur même de l'Allemagne. L'aérodrome récemment pris à l'ennemi en Italie méridionale, du front russe qui devient chaque jour plus étroit, des bases britanniques, les avions alliés décollent pour aller marteler les murs croulants de la forteresse d'Hitler. Rasant les toits des maisons de France, ces bombardiers Boston font renaître l'espoir dans le cœur d'un peuple qui n'a jamais accepté l'esclavage. Oui, les alliés sont en route et leur force grandit chaque jour. Les bombes sont leur message à l'ennemi.